Salut et bienvenue dans cette vidéo. Dans ma précédente vidéo, il était question de t'expliquer ou d'expliquer ce que c'est que l'affiliation. Alors, je suppose que dans cette vidéo, tu sais déjà qu'est-ce que c'est que l'affiliation. En fait, si tu n'as pas encore une idée de ce que c'est que l'affiliation, alors je te recommande de retourner regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube, qui va t'expliquer les bases de l'affiliation, le principe de l'affiliation et bien encore. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo ou c'est simplement tout juste un peu en haut là, un peu étiqueté au niveau de l'écran de la vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer en fait comment tu peux faire de l'affiliation, commencer à générer tes premiers euros sur internet sans rien investir. Donc je dis bien sans rien investir, donc sans avoir de site internet, sans payer quelconque logiciel ou quelconque outil sur internet. Je vais t'expliquer cela pas à pas dans cette vidéo. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer aucune des étapes et ne saute point non plus aucune étape parce que chaque étape est vraiment cruciale pour le processus. Ok, nous allons premièrement commencer par retrouver un produit, donc identifier un produit, rechercher un produit sur lequel on va se baser pour faire de l'affiliation. Doit noter dans le marché de l'affiliation, il y a des niches qui sont rentables et certaines qui ne sont pas rentables. Donc à vous de regarder quelles sont les niches qui sont rentables et quelles ne le sont pas. Et je recommande également, si vous êtes débutant dans l'affiliation, de ne pas viser directement les niches qui sont très rentables parce que généralement, quand elles sont très rentables, elles sont également très concurrentielles. Donc ce que je vous recommande, par exemple, d'aller dans les sous-niches des niches rentables. Supposons par exemple que la perte de poids c'est une niche très rentable, mais elle est énormément saturée. Si vous lancez directement dans la promotion des produits de perte de poids, il serait très difficile pour vous de commencer à générer vos premiers euros. Donc vous risquez d'être frustré et dire que non, l'affiliation ne marche pas. Alors que tel n'est pas le cas. Supposons maintenant que bon, dans la niche de la perte de poids que vous spécialisez par exemple dans une sous-niche, je vous donne un exemple de sous-niche dans la perte de poids. Vous pouvez par exemple parler de la perte de poids par exemple des hommes âgés de plus de 40 ans. Donc vous spécialisez uniquement dans cette niche là, vous faites la promotion uniquement des produits de perte de poids pour les hommes donc âgés de plus de 40 ans. Ou par exemple vous pouvez vous spécialiser par exemple dans la perte des poids des femmes après accouchement, donc vous parlez uniquement de cela. Si vous êtes abonné sur cette chaîne, dans les prochaines vidéos je vous expliquerai comment générer du contenu, comment optimiser ses liens affiliés et plein d'autres. Et si vous voulez sauter les étapes directement, vous trouverez dans la description de cette vidéo directement un lien qui va vous donner quelques bases de l'affiliation pour ne pas trop perdre de temps. Donc étant dit, nous allons maintenant entrer dans la première étape qui est celui de choisir notre produit. Et pour le choisir, on va faire cela avec la plateforme System.io. Donc System.io, c'est entièrement gratuit, vous n'avez rien à payer. Ça, c'est un compte démo. Je fais uniquement de l'affiliation avec cela. Donc pour d'autres infos produits que je vends et tout, j'utilise un autre compte. Donc vous pouvez utiliser un compte gratuit de système où vous pouvez sauvegarder jusqu'à 2000 contacts et tant d'autres. Donc je vous laisse aller regarder cela. Le but ici n'est pas de vous parler de System.io dans tout l'ensemble. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo pour vous forger votre propre opinion sur System.io. Donc étant dit, une fois que vous êtes inscrit et que vous êtes connecté, donc c'est entièrement gratuit, vous allez venir ici au niveau de la plateforme et vous allez aller sur Marketplace. Donc dans Marketplace, il y a des infos produits, il y a les produits de service, il y a les templates, il y a les produits physiques, il y a les produits, il y a les logiciels. Par exemple, pour cette vidéo, je vais directement prendre un produit. J'aime bien faire la promotion. C'est un produit pour les enfants. Les mamans sont vraiment souvent beaucoup très intéressées par ces produits pour leur éducation. Et c'est une niche également qui cartonne énormément sur Pinterest. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment faire de l'affiliation avec Pinterest. Restez simplement abonné. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, une fois que j'ai saisi le mot mon thésaurier, je clique sur filtrer. Donc là, on me dit, bon, il y a jusqu'à 38 résultats, je peux aller jusqu'à la page 14, 30, jusqu'à la page 4, autant pour moi. Donc j'ai par exemple cette formation Montessori de 0 à 3 ans qui a déjà généré plus de 16 000
euros de vente et ce mois, ça a généré 261. Donc, rassurez-vous de toujours choisir les produits qui se vendent déjà, qui ont déjà fait leurs preuves, parce que ce système IO, l'inconvénient ici, c'est que chaque vendeur gère son propre programme d'affiliation. Et généralement, lorsque vous allez venir directement sur les produits nouvellement ou récemment proposés sur la marketplace, généralement, si bon, le produit ne se vend pas très bien après un nombre de temps. Le produit, bon, soit le vendeur ne paiera plus le compte, son abonnement système IO et le produit ne sera plus disponible sur la marketplace et vous aurez fourni des efforts comme cela, gratuitement ou dans le vide, vous aurez perdu énormément de temps. Donc, si système IO ne vous convient pas, il y a également une autre plateforme appelée un TPE. Donc, ntpe.com. Donc, sur ntpe.com, vous pouvez également faire de l'affiliation des infoproduits sur Internet. OK. Donc, une fois que j'ai saisi mon moment thésaurier et que j'ai choisi cette formation, donc voici par exemple la formation ici, mon thésaurier de 0 à 3 ans. Vous avez deux boutons ici, ça c'est le lien donc pour promouvoir la page de vente et vous avez le lien ici pour promouvoir la page de capture. OK, on va revenir sur ces liens. On va revenir une fois dans cette formation, dans cette vidéo. Donc l'outil que nous allons utiliser maintenant pour la suite de la vidéo, vous allez vous rendre simplement sur ahrefs.com/keywordgenerator. Donc, c'est un générateur de mots-clés gratuitement sur Internet. Donc, vous allez simplement entrer le mot-clé de votre niche choisie. Donc, je suis toujours sur mon thésaurier. Vous pouvez choisir, bon, où est-ce que vous voulez savoir la requête, le nombre de requêtes, est-ce que c'est sur Bing, Google, YouTube et Amazon, vous choisissez en fonction du pays que vous ciblez. Donc, pour votre vente, il y a énormément de pays, ça va dépendre de vous. Mais par défaut, pour cette vidéo, je vais prendre par exemple la France. Et une fois que vous avez cliqué sur Find Keyword, donc un petit CapChat, un petit robot, donc va vous demander de confirmer que vous n'êtes pas un robot. OK. Donc voilà par exemple les mots-clés sur mon thésaurier. Donc si j'ai bien écrit, OK. Vous avez par exemple la mon thésaurier. Ça c'est bon. La difficulté du mot-clé ici est élevée. Vous voyez que dans mon thésaurier, dans les 12 heures, donc il y a de cela 12 heures, il y a jusqu'à 23 000 recherches sur Google. Donc vous avez tous ces mots-clés. Vous avez bon, ainsi de suite. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais directement chercher formation mon thésaurier. Parce que mon thésaurier est un peu large. Donc, je vais directement chercher formation mon thésaurier pour essayer de voir. Parce que vu que je veux en fait faire la promotion d'une formation, donc le mieux serait directement de taguer formation mon thésaurier. OK. Donc, vous pouvez voir par exemple dans formation mon thésaurier, la difficulté du mot-clé est très faible, elle est douce. Et nous avons là les requêtes. Donc, il y a de cela une journée, on a eu 1900 requêtes donc en moyenne sur Google. Donc, on va prendre notre mot-clé formation mon thésaurier. Donc, je vais simplement faire CTRL-C, je vais copier. Donc, sur tous les autres mots-clés, vous pouvez également générer du contenu là-dessus. Et encore une fois de plus, vous n'avez rien à payer. Donc, pour la génération de contenu, vous allez simplement vous rendre sur chat.openai.com. Donc, ChatGPT, vous allez utiliser ChatGPT. Et j'utilise l'extension qui est appelée ARPRM. Bon, je ne sais pas comment cela se prononce très bien en français. Donc voilà un peu, vous allez installer l'extension sur votre navigateur et une fois que vous aurez ouvert ChatGPT, donc vous aurez cette interface par défaut. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre un abonnement de GPT-4, donc GPT-3.0, faites à la fête. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre Human Writing ou bien vous pouvez simplement taper Writing, par exemple, ici, pour filtrer les résultats, write best article to rank en Google. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, ce prompt pour générer un article qui va ranker sur Google très facilement. Donc, l'avantage d'écrire des articles qui vont ranker sur Google, c'est que une fois que vous aurez publié votre article, cela va rester en ligne, donc aussi longtemps qu'un autre concurrent ne viendra pas pour vous déclasser. Alors,
vous resterez toujours dans le top des résultats de recherche et comme cela, vous aurez du trafic gratuit et vous allez générer des revenus passifs sur Internet. Donc, c'est cela, la génération des revenus passifs. À noter, bon, je sais, vous trouverez sur Internet beaucoup de vidéos qui vont vous dire comment publier, soit sur TikTok, Instagram et tout, bon, gagner des commissions comme cela. Bon, ici, sur cette chaîne, moi, je propose uniquement ce qui fonctionne et ce qui fonctionne sur le long terme parce que je ne suis pas là pour vous dire cliquez sur cette application ou cliquez sur ce lien, lisez ces adresses, lisez ces mails et commencez à gagner de l'argent. Généralement, toutes ces choses ne fonctionnent pas. Dans cette chaîne, je vais toujours vous montrer ce que moi j'utilise, ce que moi j'implémente au quotidien et qui donne des résultats. Donc, c'est cela que je vais vous présenter. Donc ici, bon, nous allons premièrement générer notre article. Bon, on nous dit là, title dans le titre de notre article ou bien... Bon, on va simplement dire formation Montessori, c'est le mot-clé qu'on a eu à récupérer. Donc, on va cliquer sur Enter. Bon, le temps que ChatGPT génère notre article. Donc, on attend un peu. OK. Donc, une fois que notre article est généré, voilà un peu cela. Mais je ne trouve pas cela vraiment très optimisé. Bon, par exemple, au niveau de formation Montessori, ce qu'on aura à faire... on va changer le titre, mais déjà dans le titre, on va tout retrouver formation Montessori. Donc, pour que notre mot-clé puisse bien ranker sur Google. Dans la plateforme maintenant que vous allez utiliser pour publier votre article, s'appelle Medium. Donc, Medium.com, c'est une plateforme en ligne pour des rédacteurs, donc newsletter et autres. Donc, vous publiez votre article sur Medium et cela est gratuit. Et l'avantage avec Medium, c'est que Medium se rank très facilement, les articles publiés sur Medium se rankent très facilement sur Google parce que Medium a une autorité dans un domaine d'autorité très élevé. Donc, contrairement, si vous partez maintenant pour créer... dans un nouveau, par exemple, blog WordPress et tout, cela va vous prendre énormément de temps pour pouvoir ranker sur Google. Donc, on va utiliser Medium, utiliser l'autorité de Medium pour ranker nos articles très facilement et commencer à générer des revenus de façon automatique. Donc, on va par exemple dire ici, les meilleures formations. Montessori 2, bon, nous étions de 0 à 3 ans, ok. Donc, par exemple, ça va être le titre de notre article. Donc, nous allons prendre, par exemple, cela, donc de 0 à 3 ans. Les meilleures formations Montessori de 0 à 3 ans. Ok, nous allons aller sur ChatGPT maintenant. Nous allons copier le contenu généré par ChatGPT. Donc, on ne va pas tout copier parce qu'il y a les textes là qui ne servent absolument à rien. Bon, on va d'abord faire comme ceci. On va venir là sur Medium. Bon, je vais d'abord enlever ça. Write your story. On va copier et coller. Ok. Maintenant, on va retourner au niveau du titre. Bon, on va dire, on va insérer la title. Ok. Bon, là, on va mettre comme titre. Ok. Dans le titre de notre article. Donc là maintenant nous avons le titre de notre article, les meilleures formations de Montessori. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez relire l'article, changer quelques, ajouter votre propre touche. Par exemple ici, si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d'augmenter le trafic de votre site web visité, bon, on va enlever ça, c'est juste une pub. Donc voilà par exemple la conclusion. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner sur CMIO. On avait cette formation. On va faire ici clic droit. On va copier donc l'adresse du lien. Et nous allons maintenant revenir sur Montessori. On va dire par exemple, bon, comprend le principe. On peut par exemple venir ici. On va dire par exemple, bon, découvrir les meilleurs. Les meilleures formations. Montessori ici. Bon. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre ça comme lien. Et ici maintenant, vous allez entrer votre lien affilié. Donc, se rassurer bien, ok, que c'est votre lien affilié. Que vous avez bien copié le lien. Donc, et pour vous rassurer, vous pouvez cliquer dessus.
ou par exemple venir là sur Google, entrer sur votre navigateur, entrer le lien affilié pour vous rassurer que bon, vous avez copié le bon lien. Ok, nous avons la formation Montessori complète de 0 à 3 ans. Donc une fois que vous avez entré vos liens affiliés de façon stratégique, vous allez cliquer sur publier la story. Ici, add topic, donc vous allez mettre formation. Montessori. Ok. Donc vous pouvez ajouter Montessori également. Ok. Et ainsi de suite. Au niveau de l'image ici, donc vous allez inclure une image. Vous pouvez vous rendre par exemple sur Pixabay.com. Donc c'est une bibliothèque d'images en ligne. Vous allez rechercher Montessori. Ok. Donc vous allez rechercher Montessori et bon, on va prendre par exemple cette image. On va prendre celle-ci. Donc, on va cliquer sur Download. On va prendre un fichier un peu léger. Ok. Donc, on va l'enregistrer sur le bureau et on va revenir sur Medium. Bon, on va retourner au niveau de l'article. Et ici, on va inclure notre image. Donc, on va faire comme ceci sur le bureau. Ok. Ok. Nous avons notre première image. On va cliquer sur publier. Ok, ça va utiliser ici. La première image va être utilisée. On va cliquer maintenant sur publier. Ok, donc voilà un peu cela pour commencer à générer vos revenus passifs sur internet avec de l'affiliation sans rien payer. Donc c'était Michael Mika. Ce que je vous recommande maintenant par la suite, c'est simplement d'être patient et persévérer également. Donc faites cela tous les jours. Donc récupérer énormément de mots-clés ici, générer du contenu avec ChatGPT, publier cela sur Medium, publier et ajouter vos liens affiliés comme cela. Bon, faites-le peut-être pendant un mois et après quoi vous verrez des résultats qui vont tomber de façon automatique. Merci de m'avoir suivi. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et rendez-vous dans les prochaines vidéos. Je vais t'expliquer comment faire de l'affiliation avec Pinterest et générer des revenus automatiques donc de façon constante et sur le long terme. Merci.